Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve aux abords d'un étang privé. Donc, j'ai passé le week-end ici. C'est simple, j'ai organisé ça sous 3 jours. Donc, la première journée, on va essayer plutôt du gros leurre. La seconde, on va essayer de faire aller du light. Et la troisième, on va essayer de faire de l'ultra light. Donc, tout simplement, ici, majoritairement du bass. Donc, on va essayer de sortir notre épingle du jeu. Et quant à nous, on se retrouve, bien sûr, si ça mord. Allez, à tout de suite. Tiens là, il y en a deux là, des blacks. Ça tape bien. Regarde juste, hop là. Regarde, il attaque. Hop, loupé. Là, mets-toi juste en face là. Il y a un bon là. Tiens, là. Juste là. En bordure. Oh, poisson, il est beau celui-là. Il est sympa celui-là. Allez, rentre dedans. Ah ouais, celui-là, il fait au moins 2 kilos celui-là. Pas mal celui-là. Et celui que j'ai fait, ça c'est le plus petit que j'ai fait pour l'instant ici. J'ai pas fait plus petit. Celui que j'ai fait, tu vois, celui que j'avais fait, je pouvais mettre mon poing entier dans la bouche. Sans problème. Il est sympa, hein, celui-là. Là il y a le paquet. Si tu veux, un jour, on essaie de se programmer un week-end, je ramène tout le matos. Et on se fait le resto le soir et tout ça, si tu veux. Mais... Ah, tiens, j'en ai un. Il est petit, celui-là. Hein. Je l'ai en vidéo. Ouais, ça y est, j'ai battu mon record en taille la plus petite. Oui, c'est sympa. J'ai des toutes petites cannes spéciales pour le black bass. Ça c'est le poisson. Ça c'est une carpe. Et j'ai l'impression qu'elle est venue attaquer. Je pense pas que ça soit reconnu.
C'est pas harponné. Décrocher. Triple en pleine gueule. Bon, y a le deuxième qui est en dessous, mais le premier il est en pleine gueule. Oh, attends, j'ai pas envie de te défoncer la nageoire, retourne-toi. Voilà. Bon. Allez, tourne. Voilà. Très mal prise, toi. Ouais, je vais te mettre dans l'épuisette quand même. Je sais pas si tu vas passer dedans. Mais... pas 36, je crois, bébé. Hein. Ah si, au bout d'une carpe, ça passe dedans. On va péter mon épuisette. Dans le coin là. Belle petite carpe. Décidément ici, elles répondent bien aux leurs. Bon. Du dessous il est harponné. Bon, comme on peut voir, celle de derrière elle est bien pleine gueule et même à l'intérieur. Donc c'est bien une carpe qui a attaqué. Bon, malheureusement on a abîmé un peu la bouche. Belle petite carpe fouleur. Putain, dépôt poisson.
Team arracher mon one-up. Voilà, mon one-up à une minute.